vous parler de quelque chose que vous n'avez peut-être jamais vu. Et pourtant, ça devient à la mode avec Marie Mamgeblou et notre partenaire, la revue Oui Demain, Oui, W-E, Oui. Ah oui, demain. Oui comme... Oui, comme oui. Nous. Voilà, c'est ça. Mais elle a repéré un article qui s'intéresse à une tendance écologique dans le domaine de l'architecture. C'est-à-dire des tours, mais très, 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 très hautes, en bois, figurez-vous. Mmh. C'est vrai qu'on n'en a pas vu beaucoup chez nous, et il paraît que ça devient à la mode. Et il y a tendance. Ça dans quel pays Il y a ça partout dans le monde. Aujourd'hui, ça fait un petit peu moins de 10 ans. Ouais. Vous avez ça en Autriche, en Angleterre, en Suède, en Norvège, en Chine. Et vraiment, c'est vraiment là, aujourd'hui, c'est partout dans le monde. Des gratte-ciels en bois. Des gratte-ciels. Les premières faisaient 9 étages. Aujourd'hui, on est à 24 étages. C'est la tour la plus haute du monde, c'est en Autriche, donc à Vienne. Alors, les prochains projets, c'est 30 étages, donc on est vraiment sur un... sur vraiment un regain d'intérêt comme ça pour le bois, d'une part parce que, par rapport au réchauffement climatique, forcément, hein, et les gens veulent de la construction écolo, voilà. Alors, le bois, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a pas mal d'avantages. C'est plus léger que le béton, c'est moins cher, les constructions se font plus rapidement, mais surtout, ils stockent le carbone. C'est l'histoire des trois petits cochons. Vous avez raison. On se dit, mais elle va tomber, mais non, c'est du bois, ça ne tient pas. Oui, non, c'est un bois très particulier, ce qu'on verra dans le reportage. C'est ce qui s'appelle du CLT, c'est du bois laminé croisé, en fait. C'est un bois avec plusieurs épaisseurs, vous verrez. Et ce bois-là, en fait, est beaucoup plus résistant que le béton. Mais surtout... Il stocke le carbone et en plus, il réduit la consommation parce que c'est un isolant naturel absolument incroyable. Oui. Donc, les avantages environnementaux sont importants. On a interrogé un architecte connu et reconnu, c'est Jean-Paul Viguier, architecte de France Télévisions. Ah oui, c'est lui qui a fait ça. Exactement. Mmh. Alors ça, c'est vraiment un hasard. En revanche, on l'a surtout interviewé parce que c'est l'architecte qui va construire la première tour en bois en France. Mmh. Eh oui. Vous lui avez demandé, il y a deux, trois trucs ici qu'on pourrait lui... Pas en bois. Non, je plaisante. Pas en bois. Bon, allons-y. Allez, on y va. Allez. France, Autriche, Angleterre, partout dans le monde, les gratte-ciels en bois se multiplient, battant continuellement de nouveaux records de hauteur. Les qualités thermiques et écologiques de ce matériau séduisent. Comment on peut expliquer aujourd'hui cet engouement pour la construction de tours en bois? C'est un retour du bois, un retour en force du bois dans la construction et dans l'architecture. Quand on veut mettre à l'épreuve un matériau, on utilise toujours le paradigme de la tour, parce que s'il arrive à faire une tour, c'est que c'est un bon matériau. Voilà. Aujourd'hui, on a remis en avant une forme d'assemblage du bois qu'on appelle du bois lamellé croisé massif. Donc ce sont des plaques de bois dont on alterne les fils les uns sur les autres. Ça fabrique un matériau de construction formidable, très dur, aussi résistant que de l'acier et du béton. Le retour, cette façon d'assembler le bois a permis de faire un grand pas en avant dans la construction en bois. Certaines villes comme Londres ou Melbourne abritent déjà les premières constructions. La Norvège a très vite pris exemple avec son bâtiment de 14 étages. Mais c'est l'Autriche qui vise encore plus haut. 24 étages, 84 mètres de haut, fabriqués à 75% en bois. Et la France alors? Les pionniers des tours en bois ou des maisons en bois, c'était quand même les Français. Oui, mais les Français ont oublié que le bois dure pour toujours. Nous avons moins d'un siècle d'expérience sur le béton. Alors que nous avons plusieurs siècles d'expérience sur le bois. Les charpentes des cathédrales sont là depuis 7 à 8 siècles. Donc on sait que ça tient. C'est Alain Juppé qui vous a un peu lancé ce défi de construire une tour en bois. C'est une première en France, vous êtes le premier à le faire. La tour de Bordeaux sera une tour d'habitation, avec des grandes terrasses où on verra toute la ville, avec des jardins. Est-ce que vous n'étiez pas un peu sceptique à l'idée de construire cette tour? Si, mais j'étais pas beaucoup d'essai, parce que je m'étais déjà exercé à faire des bâtiments en bois, notamment des logements. Le bois a des qualités écologiques de tout premier plan. C'est-à-dire, d'abord, il fait partie des matériaux ressourcés, c'est-à-dire qu'il se reproduit continuellement. On ne l'épuise pas si l'on gère bien son exploitation. Il y a ensuite la légèreté, c'est-à-dire, vous voyez, c'est un matériau qui est très léger. Il est aussi résistant que du béton. Un immeuble en bois est 2 à 3 fois plus léger qu'un immeuble en béton. Mais ça s'enflamme quand même plus facilement que du béton, on est bien d'accord. Oui, mais ça résiste mieux que du béton, parce qu'à l'intérieur du béton, il y a de l'acier. Mmh. Et à 500 degrés, l'acier fond. Ici, jusqu'à 800 degrés, ça ne bouge pas. Est-ce qu'à terme, le bois remplacera le béton et l'acier pour les gratte-ciels, en tout cas? Alors, peut-être, mais en tout cas, moi, ce n'est pas ma posture. C'est-à-dire que ma posture, c'est de ne pas faire d'idéologie sur le bois. C'est-à-dire, c'est de faire revenir le bois dans l'architecture comme un matériau normal de construction. Welcome, revenir le bois dans l'architecture. Ça va coûter plus cher?
Non, c'est moins cher. C'est moins cher, vraiment. Parce que ça prend moins de temps. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Bon. Hein. La tour de Bordeaux, juste, elle fait quand même 18 étages, 57 mètres de haut. C'est prévu pour 2020, pour info, comme ça. Ben, on y retournera. Merci, Marie. Oui.